a sunset view. I'm thinking so you're gonna want to. Give your hands in what we need. Eh bien, salut, j'en suis ici pour la troisième vidéo épave, cette fois-ci avec la Volkswagen Beetle des années 63. Alors, la coccinelle, une épave encore de plus à trouver dans le jeu. Alors là, attention, parce que là, c'est un peu plus compliqué. Enfin, compliqué, je sais pas. Il faut faire un peu plus pour la trouver, parce qu'il faut déjà avoir terminé les épreuves de course et tout terrain. Donc, en gros, déjà, avoir débloqué la possibilité d'avoir la Ford Mustang et la Nissan, pour ceux qui n'ont pas encore éventuellement regardé les deux dernières vidéos sur la Ford Mustang et la Nissan, n'hésitez pas à aller voir. Ensuite, avoir terminé les épreuves vertes, donc Shift Lock, et battre le boss. Si vous avez battu le boss, vous avez le premier indice pour commencer à trouver les épaves de la Volkswagen Beetle. Alors, pour commencer déjà, ça vaut le coup, allez-y, foncez. Cette voiture, elle vaut le coup, je l'ai déjà trafiquée, enfin je l'ai déjà montée au niveau maximum, donc niveau 399, en une soirée. Si vous voulez savoir comment monter aussi vite les voitures en 2 heures, monter au maximum, allez voir la vidéo que j'ai faite, gagner de l'argent rapidement sur Need for Speed Payback, allez voir sur la playlist Need for Speed Payback sur la chaîne. Parce que ça explique non seulement comment vous gagnez rapidement beaucoup d'argent, mais aussi comment monter les voitures au maximum très rapidement. Alors, on va maintenant commencer à trouver les épaves. Donc, la première, c'est comme d'habitude le châssis, très simple. Il ne faut pas faire de saut ou quoi que ce soit. Il faut simplement vous rendre là où je vous monte actuellement. Donc, au nord-est de la zone verte de la map. Et donc là, vous prenez simplement en tout terrain ici. Et puis, vous trouvez déjà le châssis de l'épave, de la coccinelle. Très simple, pas de saut à faire, rien à perdre. Je vous montre tout de suite encore exactement où elle se trouve, cette épave. Mais comme dit, elle est juste à côté de la route limite. Si vous continuez la route, vous la voyez automatiquement. Donc, pas très compliqué à trouver. Elle se trouve pas loin en plus de l'atelier tuning que vous pouvez vous TP dessus. Et puis là, vous avez juste une ligne droite à faire. Et vous voyez directement. Donc la deuxième pièce, c'est donc le bloc moteur. Et vous voyez, encore une fois, vous trouvez ça assez rapidement. En plus, c'est un chemin qui est indiqué sur la carte, qui croise donc l'autoroute. De nouveau, pas loin en fait du châssis. Donc ça veut dire au nord-ouest de la zone verte. Donc là, limite, c'est très simple. Et donc là, il faut simplement aller tout droit. Encore une fois, très simple. Par contre, ce qui est un peu moins simple, bon, ça c'est mon avis personnel, c'est de ne pas se louper, de ne pas aller trop loin et quand même aller assez vite pour y aller. Parce que c'est une petite île en fait qu'il ne faut pas louper. Et moi, je me suis foiré 2 fois. Je vous l'ai mis dans la vidéo parce que c'est simplement marrant. Ça n'a rien à voir avec l'astuce comment trouver les épaves. Mais par contre, voilà, c'est marrant. Ça m'a fait plaisir. Et du coup, j'ai fait de ce qu'ils étaient normalement pas prévus. Voilà. Mais je pense que si vous faites attention avec la nitro, si vous n'allez pas trop vite, ça le fait très facilement. Et comme dit, vous ne pouvez pas trop vous louper. Prochaine pièce, un peu plus loin cette fois, donc là je vous conseille de vous TP dessus. Cette fois-ci, on se retrouve sur la zone rouge de la map. Donc la zone tout à l'est, parce qu'il y a une autre zone au nord. Mais tout à l'est, la petite zone rouge en fait. Et donc là, assez centrale, vous voyez une sorte de bol en fait. Et puis là, ce n'est pas très loin. Encore une fois, c'est très simple. Vous sortez simplement à droite. Vous suivez le chemin de terre. Et puis là, vous avez un jeton en plus, prenez-le. Et puis du coup, prenez assez d'élan pour faire le saut en bois. Et puis vous avez déjà trouvé votre bonheur et la troisième pièce de l'épave de la coccinelle. Prochaine pièce avec un changement de décor. Maintenant, on se retrouve au nord de la partie sablée. Pas loin d'une station essence en plus, donc ça c'est très bien. Donc là, vous voyez la station d'essence près de la course.
Et puis vous allez simplement dans le désert, en plein milieu du désert. Bon là, il faut juste trouver cette ferme, cette fameuse ferme encore une fois. Et donc là, faut squatter un peu dans les environs. Et puis vous voyez derrière la ferme, il y a un seau à prendre, pas très compliqué en plus. Et donc là, il se trouve cette pièce. Et pour la dernière pièce, pour les jantes, il faut vous rendre donc encore dans une zone rouge, mais cette fois-ci l'autre zone que je vous ai parlé, et cette fois-ci au nord-est de cette zone. Encore une fois, c'est très simple parce qu'il y a une station d'essence en fait. Si vous vous TP dessus, il y a juste une ligne droite encore à prendre. Bon, là, actuellement, je viens de l'autre côté, mais par contre, sinon, si vous arrivez de la station d'essence, vous pouvez simplement aller prendre la route qui s'arrête en plein milieu sur la map. Et puis là, vous allez vraiment tout simplement tout droit, tout droit, tout droit. Il y a un saut au bout, et puis là, vous prenez la dernière pièce. Donc ça, c'est très simple. Ça, c'est carrément. Alors là, je vous conseille absolument d'aller pas du côté où je venais, mais du côté de la station d'essence. C'est vraiment le plus simple. C'est déjà terminé. On a déjà notre petite coccinelle qui fait vraiment plaisir. Donc pour l'instant, si on la voit comme ça fait pas trop plaise. On dit putain, c'est une voiture de merde, mais en fait pas du tout. Si vous la trafiquez, si vous l'améliorez, comme dit avec la technique que je vous montre dans l'autre vidéo, en 2 heures c'est fait. Monsieur Fish l'a même réussi en 1 heure et demie. J'ai pas totalement réussi en 1 heure et demie, mais en tout cas c'est très très rapide. Et si vous le faites, montez. Là, elle a une accélération de malade. Alors moi, comme dit, je suis au niveau 399, mais par contre, j'ai pas encore les speedcards que j'aimerais avoir de certaines marques, en fait, pour améliorer encore plus la vitesse et tout, et l'accélération. Mais par contre, là déjà, alors que j'ai des speedcards, on va pas dire de merde, parce que je les ai au maximum quand même, à 18 déjà, mais par contre, j'aimerais avoir d'autres marques pour me permettre éventuellement un peu plus de nitro et de vitesse et l'accélération et tout ça. Au lieu d'avoir des cartes de saut et tout, parce que ça m'intéresse pas trop. Mais déjà maintenant, elle est vraiment parfaite. En tout cas, en ligne, je peux vous dire que pour le démarrage, vous défoncez tout le monde. Parce qu'elle a un démarrage, une accélération de malade. Franchement, alors essayez-le. C'est impressionnant. Bon, on va se laisser là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Et puis demain, on va se retrouver donc pour la suite. Et pour la prochaine épave, donc ça veut dire normalement, si tout va bien, c'est pour la Bel Air. La Chevrolet Bel Air. Voilà, donc sur ce, salut Jean, et à demain.